Our next speaker will be Dr. Juan Garces, distinguished international lawyer. He has, as you have seen, successfully initiated the judicial proceedings in Spain regarding crimes committed against residents of Ashraf by Iraqi forces. You have the floor. Madame Radjavi, et chers amis, et distingués collègues, c'est avec beaucoup de responsabilité et du sens de la responsabilité que je dois vous dire que nous faisons un grand effort, vous faites un grand effort pour éviter les massacres d'Ashraf et également pour exiger des responsabilités à ceux qui ont commis déjà des crimes dans les attaques de 2009 et de 2011 et le tourment, la torture permanente qui s'applique sur l'ensemble des résidents. Le gouvernement actuel de l'Irak s'est appliqué à nier tout droit, tout statut légal aux résidents d'Ashraf. Et ça, c'est inadmissible. Ils sont en statut, personnes protégées, sous la 4e Convention de Genève. Cette convention a été signée par l'Irak, par l'Espagne et par plus d'une centaine d'États. Et elle accorde la juridiction à tous les États qui l'ont signée pour poursuivre les graves infractions. D'accord, vu les évidences réunies sur l'attaque d'avril, la Cour a accepté d'élargir l'enquête au général qui commandait les troupes, à un lieutenant-colonel, à un major, qui ont attaqué les résidents, qui ont en tué plusieurs, et 35. Et également, puisqu'on a eu des évidences que cette attaque a été ordonnée et consentie par le Premier ministre, l'enquête a été également élargie vers le Premier ministre de l'Irak. Et par conséquent, la sommation pour le mois d'octobre, venir s'expliquer, porte est adressée aux trois militaires qui commandaient les troupes, les plus signifiés. Mais le jour où M. al-Maliki ne sera plus investi de cette fonction, ou de cette ministre des Affaires étrangères, à ce moment-là, son immunité sera disparue et il devra rendre compte de sa responsabilité dans ces crimes-là. Au même temps, et ce qui est également important à signaler, c'est que la Cour espagnole a accordé de s'adresser au secrétaire général des Nations Unies pour lui demander l'autorisation à recevoir les témoignages de l'assistant du secrétaire général auprès de la mission d'assistance à l'Irak, l'UNAMI. Et ceci, maintenant, tout ce que l'UNAMI sait de ses refus à appliquer la loi international en vigueur en Irak et à Ashraf en conséquence pourrait devenir un témoin à charge contre le responsable. Ce qui fait que désormais, chaque fois que les responsables irakiens reçoivent le représentant de l'UNAMI et lui refusent la coopération nécessaire au respect des droits des résidents d'Ashraf, ce rôle de l'UNAMI devient de plus en plus donc important pour témoigner et porter la preuve de cette réalité auprès de la Cour de justice. Mais finalement, l'organe le plus responsable au point de vue international du respect des droits internationaux à Ashraf, avec toutes ces prolongations éventuelles, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à cet égard-là, il faudra faire un effort pour demander au Conseil de sécurité de prendre des mesures de protection en vertu de ce qui a été l'évolution du droit international et de l'engagement des Nations Unies depuis 1995. À cet égard, et je peux aujourd'hui vous rendre public qu'un ancien membre, ancien président de la Cour internationale de justice, et M. Bedjawi, s'est adressé au secrétaire général des Nations Unies et lui a expliqué dans un rapport juridique quelles sont les obligations et les possibilités et les facultés
et des Nations Unies pour arrêter ces massacres en développement, en cours de développement à Ashraf. Et il lui a proposé d'adresser au Conseil de sécurité un plan en 10 points que je vais évoquer d'une manière très succincte parce que plusieurs de ces points-là ont déjà été évoqués par Mme Rojavi. Premier point, demander à l'Irak d'alléger considérablement la présence à l'intérieur du camp Ashraf de ses forces militaires et de police. Deuxièmement, envoyer au camp Ashraf une commission des Nations Unies de 5 membres chargée d'effectuer une enquête complète et indépendante sur la situation réelle existante dans le camp. Troisième point, demander au secrétariat général de mobiliser parallèlement son conseiller spécial pour la prévention du génocide et de le chercher de veiller tout spécialement à prévenir tout acte qui pourrait annoncer la préparation d'un génocide. Quatrième point, de prolonger la durée de la mission de l'UNAMI, qui connaît la situation au camp Ashraf et qui, par sa présence à Bagdad, pourrait servir de point d'appui efficace aussi bien à la commission d'enquête des Nations Unies qu'au conseiller spécial pour la prévention du génocide. Cinquième point, créer au sein de l'UNAMI ou indépendamment de cet organisme un groupe permanent d'observation constitué d'un équipage léger de 3 à 5 membres qui aurait pour mission essentielle d'alerter immédiatement l'ONU en cas de violation grave des droits de l'homme. Sixième point, d'envisager, au vu des rapports reçus de ces organismes, mais aussi à titre préventif et pour le moyen terme, une protection du camp Ashraf pour la création d'une zone de sécurité qui l'entourerait et qui se réaliserait par l'envoi in situ d'une force des Nations Unies de 100 à 200 casques bleus. Septième point, d'aller plus loin encore, si les circonstances l'exigent, et de décider, à l'instar de ce qui a fut fait au Kosovo, au Cambodge, en Croatie ou à Timor-Est, l'instauration d'une administration civile internationale provisoire chargée de la gestion du camp pour la durée de vie de celui-ci, jusqu'à sa fermeture éventuelle. Et huitième point, envisager si nécessaire de doter le camp Ashraf d'un statut éminemment provisoire d'autonomie interne à l'image de celui des îles Åland en mer Baltique et de ne remettre le territoire à son souverain irakien qu'au jour de la fermeture du camp. Neuvième point, d'organiser le départ volontaire des résidents concernés vers les pays qui ont déjà décidé de les accueillir et en lançant un appel aux autres pays pour les inciter à recevoir le reste des résidents. Finalement, de créer à cet effet un fonds commun de réinsertion alimenté par des contributions volontaires et destiné à couvrir les dépenses occasionnées par ces départs ainsi que les possibles et légitimes indemnisations des résidents qui auront laissé des biens à Camp Ashraf. Ce plan 10 points est déjà en possession du secrétaire général des Nations Unies. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est de trouver et de mobiliser des appuis pour qu'ils soient pris en considération par le Conseil de sécurité. C'est donc une tâche importante que nous avons devant nous et avec la coopération de beaucoup et d'autres, nous allons essayer de la faire avancer. Merci. Je voudrais ici, avec vous, faire 3 petits points. D'abord, une condamnation forte de ce qui s'est passé le 8 avril 2011, hein, où 2500 soldats irakiens sont rentrés brutalement dans un camp. Et il faut le dire, il faut rappeler ces faits dans leur horreur. Ont tué 36 personnes et ont blessé 346 personnes. Et donc, ces crimes ne doivent pas rester impunis. Et l'honneur de notre époque, c'est qu'on sait que ces crimes ne resteront pas impunis. C'est un peu le serment. Deuxième chose, c'est effectivement, que faire pour éviter un autre 8 avril 2011 ? Je voudrais vous donner, moi, un avis de parlementaire. On impose d'abord un mandat des Nations Unies. Donc le travail doit, à mon avis, être fait au niveau des Nations Unies. Et puis les Nations Unies doivent après avoir un bras armé. Après que les États-Unis, qui sont en situation d'agir en Irak, ils prennent leurs responsabilités. Je voudrais rappeler simplement ce qui a été dit par la Cour de La Haye il y a quelques semaines, au terme de laquelle, d'ailleurs, Mme Rajavi
le rappelait dans une de ses conférences de presse, Mme Radjavi devient la meilleure de nos avocats aujourd'hui. Elle indiquait que les soldats néerlandais qui avaient été envoyés en Bosnie pour le maintien de la paix par l'ONU en observateur de la situation sur le siège de Srebrenica en 1995 n'avaient pas été en mesure de protéger les civils musulmans du danger d'une attaque des Serbes de Bosnie. Selon le jurement, le gouvernement est responsable de la mort de ces hommes car les casques bleus hollandais, et ça me paraît très important de le dire, ne devaient pas remettre aux militaires serbes en Bosnie ces musulmans. Donc voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Et très franchement, aujourd'hui, certes, un mandat des Nations Unies, certes, un pays, ça a été rappelé à l'instant par le parlementaire, en situation comme les États-Unis, devrait agir. Ce point, il faut ajouter des considérations qui sont évidemment des considérations d'urgence. Il n'est pas normal qu'il y ait encore à Ashraf un certain nombre de blessés qui, bien que l'hôpital d'Ashraf soit assez exemplaire, ne peuvent être aujourd'hui assurés dans des conditions normales, non pas faute de praticiens, mais faute de moyens, faute de médicaments, faute de matériel dans la mesure où il aurait été détruit, ce qui ne m'étonnerait pas. Il faut aussi s'opposer, et je crois qu'il faut le dire très clairement, à cette théorie fumeuse qui voudrait que, cette proposition irréaliste qui voudrait que le camp d'Ashraf et les gens d'Ashraf soient dispersés, ce qui est tout simplement inadmissible, hein, soient transférés dans un autre camp à l'intérieur de l'Irak. Parce que alors là, il faudrait quand même m'expliquer, à moins de les coller évidemment au beau milieu du désert, mais ce qui ne serait d'ailleurs pas un très grand progrès, mais il faudrait m'expliquer en quoi cette mesure serait légitime. Elle est totalement fallacieuse, et c'est même probablement un piège qui serait ainsi tendu aux gens d'Ashraf que de vouloir les expédier dans un autre lieu, évidemment, pour les disperser d'autant plus facilement. En tant que député musulman au Parlement français, je peux témoigner du capital de sympathie dont dispose la résistance iranienne au sein de la communauté musulmane en France, et ce comme antipode au fléau de l'intégrisme islamiste. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire barrage aux idées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s'appuyant sur le courage des Iraniens et de leur résistance admirable. C'est avec l'intention d'annihiler cette résistance organisée que le 8 avril dernier, les forces irakiennes, sur ordre des mollahs, ont lancé une attaque contre le camp d'Ashraf. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français avaient alerté l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères sur les risques d'une catastrophe humanitaire encourue par les populations civiles du camp d'Ashraf. La tragédie du 8 avril dernier leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre. Il faut notamment passer par un soutien au plan du Parlement européen. J'en suis convaincu, passer par là aussi pour sensibiliser les opinions non seulement françaises mais mondiales à cette tragédie. Je parle ici au nom d'une très grande majorité de mes collègues députés dont beaucoup, hélas, n'ont pu participer à cette conférence, car nous avions annoncé, à l'occasion d'une réunion le 18 mai dernier, près de l'Assemblée nationale à laquelle était conviée à participer Mme Radjavi, présidente élue du CNRI, dans notre déclaration finale, je cite, « Notre soutien au plan proposé par la délégation du Parlement européen des relations avec l'Irak et le considérons compatible avec l'appel de la majorité parlementaire pour la protection des résidents d'Ashraf. De notre point de vue, tout déplacement des résidents d'Ashraf à l'intérieur de l'Irak ne serait que prétexte pour une nouvelle tuerie. Nous demandons à l'ONU d'assurer la protection des habitants conformément à ce plan, c'est-à-dire par l'instauration d'une équipe de l'UNAMI sur place, protégée par l'armée américaine. Je répète bien, protégée par l'armée américaine. »
Notre déclaration est même allée plus loin en appelant le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le CNRI, le Conseil national de la résistance iranienne.